L'underground, pour moi, ça a toujours été très important. J'ai toujours admiré cette culture, on va dire, de l'ombre, mais aussi cette culture qui est souvent très avant-gardiste. L'underground, c'est aussi une liberté de faire ce qu'on veut en se souciant de rien. Je trouve ça très important que cette notion reste, parce que du moment que les artistes deviennent trop mainstream, des fois, ils perdent leur âme. Je me considère underground parce que mon travail ne plaît pas forcément tout le temps au grand public. Ma pratique en tant qu'artiste plasticienne, elle est assez variée. J'aime bien me donner la liberté de faire un peu ce que je veux et de ne pas me fermer vraiment dans une pratique spécifique. Ma pratique de base, c'est le dessin. De cette pratique du dessin-là découlent du coup plusieurs autres médiums. Ça reste toujours une pratique du dessin, mais sur des supports différents. La rue, c'est un univers que je découvre en termes d'art, en fait. Le collage, j'en avais pratiqué quand j'étais à l'école des Beaux-Arts. Et là, ça va faire depuis l'année passée que je me suis remise un peu dedans. Et je trouve ça cool aussi parce que ben, c'est une manière de s'exprimer et de mettre l'art dans la rue, accessible à tout le monde. On fabrique le dessin avant et ensuite on n'a plus qu'à aller le coller. C'est une prise de risque moindre que de rester dans la rue à peindre. J'ai pas mal d'amis qui sont des street artistes et j'ai toujours été fascinée par leur travail. Je trouve qu'il y a une audace, il y a une liberté. Ma plateforme de diffusion principale, c'est Instagram. C'est un réseau social pour moi qui est essentiel. En fait, c'est ma vitrine de présentation. Je poste pas mal de dessins sur Instagram et c'est là que les gens viennent me voir pour me proposer des projets. Le tatouage, j'y suis arrivée assez naturellement. Je fais pas mal d'illustrations juste à la ligne simple. C'est une pratique qui me fascine pas mal. Je me suis retrouvée avec des potes qui m'ont dit « Bah allez Emma, ça te dit pas de tatouer ?» Donc j'ai fait « Allez, c'est parti !» Je suis assez entourée de tatoueurs qui m'ont appris pas mal de trucs. Que ce soit de la pratique, de l'hygiène, etc. Ils sont très rigoureux, donc j'ai eu une formation quand même bien faite. Le tatouage, c'est symbolique, c'est quelque chose qui reste à vie sur vous. Il y a un côté aussi organique, en fait, du dessin, qui est très intéressant. Moi, je ne me considère pas comme une artiste tatoueuse professionnelle. Je me considère comme une artiste plasticienne. Et le tatou, c'est un médium, c'est une corde à mon arc. J'aime bien le faire d'un point de vue où ben, les personnes, elles ont une petite œuvre de moi sur elles. Donc, c'était comme si elles m'achetaient un tableau, en fait, sauf qu'elles le portent sur eux. Et je trouve ça assez cool. Je ne me mets pas du tout dans une case politique parce que c'est quelque chose qui m'emmerde profondément. Mais je pense que c'est très important de se faire entendre. On peut trouver pas mal de messages féministes dans mon travail et c'est voulu parce que j'estime que c'est important de mettre ce sujet-là en lumière. Mais pas que le féminisme, en fait, d'avoir une pratique inclusive pour justement faire écho à ces combats que pas mal de gens mènent. Par le biais de l'art, on peut toucher plus de personnes. Le féminisme, c'est pas juste un truc relou ou politique, c'est quelque chose qui nous appartient
et que c'est à nous de faire grandir ce message en quelque chose de positif. J'espère que les jeunes aussi qui me suivent sur Insta, etc., puissent aussi puiser de l'inspiration là-dedans. Que ce soit au niveau du féminisme, de la tolérance, du body positive, de toutes ces choses qui font de nous des êtres libres. Je m'appelle Emma Diorio, je suis artiste plasticienne.